Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon week-end. Je reviens vers vous avec un petit message vidéo, puisque nous avons appris vendredi soir que nous sommes autorisés, à mettre en place l'enseignement hybride à partir de lundi pour un test de 2 semaines dans l'attente de l'autorisation définitive de la DASEN. Je vous explique dans les diapositives suivantes ce que veut dire l'enseignement hybride. Donc la bonne nouvelle, c'est que 100% des cours seront assurés. Lorsque vous êtes en présentiel, 100% des cours seront en groupe. Donc cela va forcément baisser le nombre d'élèves présents dans le lycée. En moyenne, sur 2 semaines, 75% des cours seront assurés en présentiel et 25% des cours en distanciel, donc avec des activités à réaliser à la maison pour continuer à apprendre. Chaque enseignant est libre de mettre en place la partie distancielle selon ses souhaits. Pour ma part, je vous explique dans les diapositives suivantes. Donc, nous utiliserons la chaîne YouTube Madame T. Nous utiliserons également Trello et nous partagerons les fichiers également sur le Drive. Vous allez me dire, c'est comme d'habitude en fait, Madame T. Et oui, c'est comme d'habitude. Donc, rien ne change. Juste que vous serez à la maison, mais sinon vous utiliserez exactement les mêmes outils. Avec votre tablette, si vous n'avez pas d'ordinateur, donc je serai compréhensif bien sûr, s'il y a des petites lenteurs pour la réalisation de vos activités. Donc, finalement, les cours qui sont dédoublés, c'est-à-dire les cours de classe entière qui passent en demi-groupe, ce qui a été décidé, c'est que les élèves du groupe 1 les feront en semaine A et les élèves du groupe 2 les feront en semaine B. Votre emploi du temps est en conséquence modifié, puisqu'il y avait des matinées comme le lundi où vous aviez ensuite un cours en demi-groupe, et bien en demi-classe, donc ce cours a été mis à un autre jour pour ne pas faire venir un groupe uniquement pour une heure de cours, évidemment. Voilà, donc regardez bien, il y a quelques anomalies, notamment vous verrez les élèves du groupe 2, vous n'avez pas éco-droit la semaine où vous êtes là en classe pour les cours dédoublés, c'est une anomalie que je vais faire corriger, ne vous réjouissez pas, vous ne commencerez pas à 9h30. Voilà, n'hésitez pas, de toute façon on se voit la semaine prochaine, ou lundi ou mercredi, ou les deux, pour les chanceux du groupe 1. Voilà, si vos parents ont des questions, qu'ils n'hésitent pas, et bien sûr on fera avec l'équipe de la classe et du lycée, notre possible pour que tout se passe bien et qu'on s'y retrouve. Voilà, bonne fin de week-end, au revoir.